Et nous voici de retour pour la suite de notre let's play sur Pokémon Saphir Alpha. On n'en voit pas la fin. Si je dis ça, c'est que c'est pas bon signe. Mais bon, on s'amuse. Maintenant, il faut que dire Timmy en mode sauce Park. Ah, c'est le meilleur, mon futur papa. Ah là là. Ah quoi, c'est un mec ça qui est camouflé? Putain. Il en a eu plein le cul, je cite. Il lui a pris la crise. Et il a voulu faire Emerald, il reviendra sur Soul Silver plus tard. Il en a eu plein le cul. Quel crack. Ah merde, j'ai Scutard en premier, c'est vrai. Super. Destruction. Je pense que ça va être la dernière partie pour ce soir, Lego. À moins qu'il se passe un truc incroyable. Et je pense que d'ici 3 quarts d'heure, vers 3 heures, on va arrêter. J'irai faire un peu de level up avant le prochain stream. Je pense demain soir je streamerai. Normal qu'on ait toujours pas coupe ou c'est pas normal en fait. Non parce que bon, c'est quand même un peu loin dans le jeu quoi. Quoi ça? Ok. A priori, il s'est endormi. Hein. C'est pas normal du tout, c'est pas le premier que tu as. Ah bah, je sais pas. Hein. Moi, on m'a rien dit. On m'a pas dit, Yonk, t'as raté coupe. À aucun moment. Bah, écoute, tant que ça nous bloque pas dans la progression, on avance. Hein. Coupe, c'est la ville de la première arène. Ah ben j'ai pas coupe. J'ai pas coupe et je vous emmerde. Hop, j'esquive les dresseurs parce que je suis un craquito. Pas besoin de ça moi. Être le premier streamer du monde à faire un jeu sans coupe. Honteux. Ah merde, je l'ai pas lui, j'aurais pu le capturer. Ok.
pas honteux, c'est unique. C'est vrai. Une belle façon de voir les choses. Quoi ? Pardon ? Ah oh, mais c'est honteux, gros. T'es qui dans l'e-sport ? Putain. Toujours plus. Toujours plus. C'est honteux, monsieur Pujadas. Avec une super bol, on aura plus de chance. Bas plus B pour la transformer en master ball. Pas du tout. Quel culot. Non mais là, c'est trop là. C'est trop là. Est-ce qu'il a cage éclair? Il a même pas cage éclair, ce fédé là. Fédal là. Les néons cochon car il est. J'aime bien dans la boue. Ouais, c'est un connard tout simplement. Pas besoin d'aller plus loin, c'est juste un enculé. Il va me ruiner toutes mes balls. Allez. 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 Let's go baby. Lui je l'avais pas dans ma Pokébank. Donc ça c'est bien. Ça c'est une grande nouvelle. Soin c'est mieux que Vibra Soin. Les pros là, les spécialistes. Vibra soin ou soin? Soin, non? Le chat. Oui. Merci, soin. Merci Lego. Heureusement, ils sont là. Un grand oui. No ID. Ah, il est là, il est tout moche. Mais il a les yeux bleus. Il est moche, mais il a les yeux bleus. Ça fait la diff. Ah, ils sont là, c'est que tard. Du coup, dans Emerald, c'est quoi le nom de la team ? Ah, j'ai pas coupe. Il y a les deux. Par contre, les deux. Ok. Où sommes-nous là? Mon Memoria à droite. T'inquiète. Oh là, tout ça sans croiser de Pokémon, c'est beau! C'est beau ce qui se passe, les amis. Putain, une grotte. Pitié. Oh. Une grotte. C'est l'avant-ville. On zigzaton. Quoi? On est où, là? Oh non. Alors, j'aime pas cette ambiance. J'aime pas cette ambiance.
Tiens, tiens, tiens. Gamin que passion grotte. Eh, hey, regardez-moi ça. On va voir à quoi il ressemble. L'avant-ville 2. Il ressemble à quoi ce que t'as en méga évolution? Est-ce qu'il y a toujours une brosse à chiottes greffée sur la queue? Ou est-ce qu'il devient un peu plus stylé? Ah, ok. En fait, il est juste plus grand. Ah, il gagne un peu en charisme, on va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas dans un cimetière. C'est quoi ces gens? Je jure. Totalement d'accord. Aria monte au niveau. Posséder le type. Eh, les Pokémon sauvages ici. En méga, ils passent type plante dragon. Ils passent de type plante. Aïe. D'accord. Il devient double type. Oh, mais on l'a pas lui, Lego. Je crois qu'on l'a pas. Cette espèce de sous-fantominus là. Une sous-race de fantominus. Malheureusement, il est décédé. Oh, elle est possédée elle aussi. Palatine, Palpatine. Ok. Ah, il gagne quand même en charisme hein, parce que. De base, c'est vraiment pas fou. Bonne nuit Archa, merci d'être passé en tout cas, c'était cool. On va pas tarder à se laisser de toute façon dès qu'on termine cette partie dans 30 minutes. C'est vraiment tout pompé sur la 1G. Hein. Il est là. Ce petit pochetron. Polichombre. Maudit. Allez, rentre. Allez. Yes. En 51. Mais c'est donc Mew. C'est incroyable.
suis choqué. Comme vous voyez, on affronte personne. Hein. Pour l'instant, on s'en sort contre les dresseurs. Bon, on risque de le regretter, mais... Puis de toute façon, je vais devoir me taper du level up en plus, donc... Donc bon. Pas le mieux à faire, mais... On assume. On assume nos choix. On passe peut-être à côté de certains trucs, comme coupe, n'est-ce pas? Mais... Et c'est pas grave. Écoutez. Je vous ai compris. Oh là là, je fous un pied dans l'herbe, c'est fini. Yori, il a vraiment Alt F4. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais. Oh, quelle ascension! Quoi ces trucs là? Quoi ça? Ah, c'est des pierres tombales! Oh la con! Un peu mystique là, ce qui se passe. Oh là là. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Le Pompépite, le remake. Le remake du Pompépite, ce jeu est une repompe de la 1G. Je suis désolé les gars. Mais Young, c'est juste une ligne droite avec des dresseurs. Oui, mon ami. Oui. Mal, ça fait mal. Arrête, honteux. C'est honteux. C'est la réponse. Hein. Putain, mais il y a encore plein de villes à droite. Moi, je pensais qu'il en restait 3. Regardez tous les points rouges qu'il y a encore. Oh là là. Oh là 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 là. Le jeu le plus long de son époque. Je m'étonnerais qu'on l'ait fini mercredi. Hein. Alors va falloir y aller. Hein. Va falloir se lever tôt. Hein.
Le pont pépite. Là, c'est l'escalier pépite. Heureusement les one-shots ceux-là. Je vais essayer de tous les monter niveau 40 pour le prochain live, si j'ai le temps. Pourquoi tout le monde critique pour Zippy, hein. Franchement, l'absence de Pikachu, il carry de ouf. Hein. Oh, c'est juste par esprit de contradiction. Pas possible. Si, il y en a des Pikachu, mais je sais plus où. C'était assez loin, je sais plus où c'est. Mais c'est pas grave, Pozipi c'est pas mal aussi au final. Pas le temps de jouer avec toi. La team Aqua s'est emparée de la gemme bleue. Tout ce temps, elle était vénérée au Mont Memoria. Quoi, je te le demande. Mathieu. Boss. On a un gamin turbulent qui nous cause des soucis. Mate-moi cette marmaille. Maintenant que j'ai la gemme bleue, pas besoin de météorite. Il me reste 80 moyens d'atteindre l'endroit où il repose. Il suffit de pécho le... De pécho? Pardon? Et après la ligue, Pika. Ok. En route pour poivre et sel. Ouais, ça a rien. Pikachu Park Safari. Ah, je l'ai one shot, please. Il est stylé ce Pokémon. Malheur, c'est malentendu, on voulait la gemme bleue. La gemme bleue et la gemme rouge ne doivent pas être séparées. Je sais, je vais te confier la gemme rouge. Mais madame, mais... What? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah direction poivre et sel.
C'est où déjà cette ville de merde? Oula. Ils ont pas respecté la Thias, hein. Je jure, on donne à un enfant un truc, aucun sens. Bon, allez, encore un quart d'heure, les gars. Ok, ils sont partis. Logiquement, ils sont ici, non? C'est là? Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est où déjà? C'est là. Donc la ferme a l'intention de poursuivre la mission d'exploration. La Thémote, mon pitié. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Ce lieu s'appelle la caverne fond de mer pour le Chenal 128. Test 1-2, 1-2, ça marche. En piste alors, Captain Poop. La grande et glorieuse Team Aqua va prendre le contrôle de ton sous-marin. Toute résistance est inutile. Ton bateau va être l'élément clé de la prochaine évolution de l'humanité. J'espère que ça te fait plaisir. Ah, on a retrouvé notre amie Sarah. Bien entendu. Tu nous as poursuivi depuis le mont. Tu m'épates. Je peux m'incliner devant tant de persistance et d'esprit de justice. Mais tu sais quoi? La peine de jouer l'héros, t'arrives trop tard. Il ne nous reste plus qu'à modifier le sous-marin pour nous faufiler dans la grotte. Où l'autre dort comme un ronflex. Notre plan va gentiment porter ses fruits et le monde retrouvera bientôt son état d'origine. Tu peux continuer à nous courser, fais comme ça te chante. Tu peux toujours nous rendre visite dans notre planque à Nenucric. Sarah, c'est à toi ma belle. On va encore se battre contre Sarah, c'est ça? J'ai envie de crever. Ah non, elle se barre. Tant mieux. Pas envie de voir sa gueule. Je vais te montrer. Ok. Rien à prendre lui. La patelasse, ça fera pas combien? Frappe Atlas ou corps perdu là, y'a plus personne pour me conseiller.
peut virer éclat rock ou pas? Ah, on peut virer éclat rock. Bah, je vire éclat rock. Ah, on peut pas. Putain, ok. Corps perdu. Slap à 70. Bon, on va pas la prendre. Yuri, j'espère il est pas mort. Ah ouais, il est plus sur Discord. Ouais, ça doit être Sako. Bien vu. Ah merde, il m'a empêché de changer de Pokémon, le bâtard. Putain, mais quel enculé. Bientôt 6 heures de stream. Incroyable. Absolument se rendre à leur planque à Nénucrique. Faut te conduire à Nénucrique ou si tu la planques. En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvez mettre un terme aux ambitions de tes scélérats? Oui. Ah, même pas une petite cutscene. Même pas une petite cutscene. Bon. Ok. Bonne nuit, Master. De toute façon, on va s'arrêter là. On va aller dans un centre Pokémon. S'il y en a un. Y a moyen d'avoir un centre Pokémon là ou c'est possible dans l'immédiat? Ok, on visitera la ville demain. Logiquement, demain je stream. Je suis pas certain de l'heure ni rien parce que je sais pas si je suis là, les gars. Donc je sais pas trop pour le stream. Je vous tiens au courant sur Twitter. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour la rediff en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube. Des bisous et à la prochaine.